À Azerac, la malédiction demeure, et pourtant l'argent coule à flot. Arnaud gagne des fortunes grâce à ses contrats entre l'Europe et les Émirats. Cet argent permet à Isor de monter une manade qui surpasse très vite celle de Guilhem. Porte-toi pas bonheur. Il gâche aussi les relations entre Arnaud et son père qui en perd le goût de vivre. Isor, ayant appris le secret de la naissance de Pierre et croyant bien faire, tente de rapprocher les deux frères. En vain. Elle ne fait qu'excéder son mari, déçu de ne pas voir un héritier arriver, ce que ne manque pas de leur rappeler Guilhem. Un héritier ! Apprenant sa stérilité, Isor s'enferme en elle-même et n'éprouve plus de plaisir avec Arnaud. Terreur ! À Marseille, elle rencontre Zanny dans le magasin de lingerie de Cosette. Les deux jeunes femmes décident de faire la paix. Mais je fais tout pour qu'ils m'entendent. Arnaud organise une fête magnifique au Mas d'Isor pour les 100 ans de Thérèse et reçoit tout ce qui compte en Europe et dans le monde. Guilhem y revoit Zanny et lui demande de l'épouser. Zanny accepte. Elle trouve là un moyen de se venger d'Arnaud. Pour Guilhem aussi, ce mariage a un goût de revanche. Mais ils ne peuvent réaliser leur projet. Après avoir revu Isabée, Guilhem meurt brusquement juste avant le mariage. Vous l'avez tué ! Zanny, effondrée et furieuse, accuse la famille d'avoir tué Guilhem. C'est Azerac que je veux. Puis, c'est au tour de Thérèse, si lasse, de quitter Azerac. Le prochain. Je suis volontaire. Tu ne viens pas, Virgile? Je vais prévenir les abeilles. Leur dire qu'elles ne reverront plus grand-mère. Pour qu'elles prennent le deuil. Je n'ai pas vu, madame, depuis... Je vous présente mes sincères condoléances pour le deuil de votre arrière-grand-mère. De votre arrière-grand-mère. Je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée d'être seule à vouloir rejoindre la vérité. Que vous faut-il de plus que la mort de Guilhem? Que le pardon demandé à votre mère? Que votre nom sur les lèvres d'un mourant? Dites-le-moi. Que vous le vouliez ou non, vous êtes comme votre frère. Entêté, buté, tête de lard, mauvaise foi, sale caractère. Mais je vous préviens, je gagnerai et vous accepterez votre part d'héritage. Jamais. Vous êtes bien un Azerac. Je suis très seule, vous savez. Encore plus seule depuis que Suzelle est partie. Bon, je savais bien qu'elle se marierait, mais au Japon, mon imagination n'allait pas si loin. Et puis je m'étais figuré qu'elle était amoureuse. D'une ombre, d'un rêve de jeune fille, d'un poète. Vous savez, l'inconnu. Elle me disait, pour écrire ses vers, il doit être beau, il doit être bon, il doit être grand. Et parfois, elle avait peur de le rencontrer. Et si c'était un vieux professeur, ratatiné, chauve et barbichu, moisissant au fond d'une bibliothèque, disait-elle. Comme il ne s'est jamais manifesté, elle a fini par croire qu'il était vieux et vilain. Alors, quand le japonais fait libre, elle veut... Vous aimez Suzelle. L'inconnu, c'était vous. Mon Dieu, Pierre. Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi vous être caché derrière un masque? Vous êtes un grand poète. Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous avez tout gâché? Pour ne pas reconnaître que vous descendiez d'un troubadour. Vous refusez votre propre sang, votre héritage, votre terre, vos ancêtres, vos dons. Vous refusez la vie. Vous vous refusez. Et aujourd'hui, vous refusez la sœur qui vous tend la main. Isor, viens voir. Regarde qui est là, mon cœur. Oh! Ah!
Salut, Lorlesia. Salut, Teddy. C'est gentil de revenir nous voir. Et de revenir avec une surprise. Je suppose que c'est moi, la surprise. My daughter, Vivian. Soyez la bienvenue au MAS. Merci. C'est vraiment le paradis. Arnaud, il m'a déjà tout montré. Même le cheval, Mélusine. Ah oui? Je crois que je lui ai pas tellement plu, mais... Oui, elle est assez sauvage. Oh, mais moi, tout me plaît ici. On se baigne? Oh, bien sûr. Je vous rejoins. Child your age already ought to be in bed. Je vais l'accompagner à sa chambre. Non, non, laissez-le. Merci, vous êtes un homme. Ah, c'est Daisy. Good night. Oh, this way. Oh, fatigué? Oh, non. Dodo. Il n'est pas si tard. Les étoiles disent qu'il faut aller au lit. Dites la bonne nuit de ma part à votre mari. Et merci pour l'hospitalité. Oh, de rien. À demain. À demain. Soit-il. La fête est finie, on ferme. J'ai envoyé votre femme faire dodo. Elle était très fatiguée. Vous allez aussi m'envoyer faire dodo? Je ne suis pas fatiguée, moi. Moi non plus. Alors? Parlons. Magnifique. Silence de la nuit. Je vous écoute. Vous avez dit parlons. De quoi? Je ne sais pas. J'ai besoin de parler. Parce que le père est mort? Peut-être. Vous savez, mon père et moi... Je parle peu d'habitude. Je suis plutôt secret. Vous avez un truc? Un truc? Qu'est-ce que c'est un truc? Le pouvoir d'ouvrir les cœurs les mieux fermés. Moi non plus, je parle pas souvent de moi. Parce que mon cœur est bien fermé aussi. C'est mon père là. La grande blessure pour mon cœur, comme le vôtre. Avant l'alcool, il était formidable. Maintenant, j'attends qu'il meure et je peux rien faire pour l'aider. On ne savait pas considérer tout, cette nuit. S'est-on vraiment tout dit? Vous venez quand à New York? Dans 3 semaines. C'est loin. Merci. Merci pour quoi? Pour l'impatience. Vous êtes si... Dites-moi l'heure. Il est près de 5 heures. Nous avons passé la nuit ensemble. C'était bien.
Allez-vous-en, Arnaud. Je vous en prie. Bonjour, Viviane. Bonjour, Arnaud. Dans 3 semaines à New York? Une chemise de nuit noire? Oui. Mais c'est pour vous? Oui, pour moi. Je peux vous la faire? C'est que c'est pas très demandé, le noir. Quel genre de modèle? Sexy. Sexy. J'ai... peut-être quelque chose en réserve. Il faudra la retoucher. Cosette, je rêve. Vous fournissez les bordels maintenant? Non, mademoiselle Bourriache. C'est une commande de madame d'Azérac. Isor d'Azérac? La baronne? La femme d'Arnaud? Bah oui, mademoiselle. C'est pour un bal costumé? Non. Je crois que c'est pour plaire à son mari. C'est intéressant. Ce qui fait que nous allons signer dès mercredi grâce à Teddy et à son intervention auprès du consortium. Tu as eu Teddy au téléphone? Hein? Non, j'ai eu sa fille. Tu sais, maintenant, le pauvre, il la laisse gérer à sa place. Elle sera d'ailleurs une très grande femme d'affaires. Oh. Où as-tu trouvé ça? Ta chemise de nuit. Enlève-moi cette horreur, je t'en prie, me mets mal à l'aise. Oui, allô? Ah, Viviane. Non, pas du tout, je vous écoute. Attendez, je vais vous prendre dans mon bureau, j'aurai tous mes papiers sous les yeux, on gagnera du temps. On peut entrer? Oh, ma nièce! J'ai entendu le tonnerre. J'ai pensé à vous qui êtes tout seul ici. Tout seul? Si seulement je pouvais être seul. Mais ils sont tous là à me poser des questions. Les Azérac. Je leur ai dit, laissez-moi classer mon courrier, après j'y verrai plus clair. Tout ça, je leur ai dit, avec des gants. Il ne faut pas contrarier la volonté des morts, sinon... Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Asseyez-vous, je vous en... Je peux vous aider. Difficile. J'ai mes méthodes, années, contrées, couleurs des timbres. Celui-là, par exemple. Mais cette lettre n'est pas ouverte. Plus tard. Il y a un temps pour tout. Oh, 1921, il me semble. Je remonte le temps. Beaucoup plus instructif que le contraire. Là, voyez-vous, j'en suis aux lettres d'Arnaud quand il était au collège. Timbre suisse. Oh! Il va y avoir un orage. Sur les gouelles, pas sur nous. Il y a des zones de lumière éblouissantes.
blocs sombres qui me font mal. Venez habiter avec nous, Virgile. Impossible. T'entends ? Mais impossible. Je suis le veilleur qui guette dans sa tour. J'attends. Quoi ? L'enfant qui viendra. On va aller faire une petite promenade toutes les deux au bord de la mer. D'accord, ma fille? Je voudrais te sortir plus souvent, mais je dois travailler, tu sais. Hello. Déjà debout? Ah, il fait si beau. C'est pour ça que je vais galoper avec Mélusine. Tu viens avec nous? Non, non, désolé, j'attends un coup de fil. De New York? Oui, pourquoi? Pour rien. On prend le petit déjeuner ensemble? Oui. À tout de suite, cheval. Tu ne bois pas? Si, si, si. Qu'est-ce que tu as, Iso? Tu sais qui est l'inconnu? Non. Mais j'aimerais bien le savoir, il a un sacré talent. Chapeau. C'est Pierre. Accepte ton père. Ah, ça suffit! On a dit qu'on n'en parlerait plus! Il ne faut pas contrarier la volonté des morts, Arnaud. Écoute, ne me fais pas regretter de t'avoir permis de travailler avec ton associé. Permis? Tu m'as permis? On croirait entendre Guilhem. Et moi, est-ce que je t'ai permis de travailler avec Viviane? Ça n'a rien à voir! J'en ai peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Devine. Arnaud, je t'aime. Je t'admire. Je suis fière de toi. Mais accepte Pierre, je t'en prie. Eh merde, manquait plus qu'elle. Je ne veux pas la voir. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue constater ton désastre conjugal. Encore? D'aristocratique comme accueil. C'est comme la mort de ton père. Je sais tout, Arnaud. C'est fou ce qu'on peut savoir quand on y met le prix. Eh oui, je sais tout. Je sais comment est mort ton père, je sais qui est ton frère, Pierre-Carl. Le beau Pierre-Carl qui travaille avec ta femme. Ah. C'est pas tout, j'ai vu la chemise de nuit noire. Oh, pauvre Isor. Parce que je sais aussi avec qui tu as rendez-vous à New York. On va mettre les choses au point une fois pour toutes. Tu te tires de ma vie, tout de suite. Non, je ne peux pas, Arnaud. C'est sans doute pour ça que tu allais épouser mon père. Ah! On est fait l'un pour l'autre, Arnaud. Toi et moi, on est des battants, on est des gagnants. Tu te souviens? Tu te souviens de notre première nuit? Et de l'Espagne, hein? Tu me reviendras. Hein? Tu ne peux pas ne pas me revenir parce que tu m'as dans la peau. Parce que tu as épousé une femme stérile qui ne peut pas te donner d'enfant. Et je sais qu'elle ne peut pas te donner de plaisir. Isor?
Non, non. 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 Mon ambulance, elle s'est trouvée mal en voyant le cercueil. Aujourd'hui, pour dire adieu à notre sœur Isor. Isor Cabrerol d'Azerac, Saint-Georges te tend la main et t'accueille, cavalière, comme une étoile parmi les siens, sur les pâturages du ciel. Venu d'ailleurs sur ton cheval, tu es devenue arlésienne, tu es devenue manadier. Grâce à ton courage et à ta vaillance, tu as su te faire aimer de tous. Monsieur ? Mon petit. Thank you.
les a pas seulement rendus l'un à l'autre. Elle a rendu Arnaud à la Camargue. Et la Camargue à Arnaud. Ici, c'est le cœur. Le sanctuaire. C'est ici que tu as pris la grande décision. Et je suis sûr que tu as écrit des vers là-dessus. Ouais. Tu savais? Que l'inconnu, c'était toi? Isor me l'avait dit, mais... j'étais sous. Moi aussi, j'étais sous. Au printemps, ici, c'est le triomphe des asphodèles. Mais j'aime l'hiver. J'aime tout en Camargue. Et pourtant, je l'ai haï, cette terre. En tu as su pour nous? Ouais. Je suis parti. À la fin de la guerre, j'étais monté au maquis de l'Aigoual. Je regardais la plaine les jours de beau temps et... je me demandais si je reviendrais un jour. Puis je suis parti plus loin encore. Jusqu'en Indochine. Rode et que rode Arras. Oh, rode ton Arras. Que de temps perdu. Tous les souvenirs qu'on devrait avoir ensemble. Oh, il y en a un qui ne m'a jamais quitté. Le fameux rasé. Pardon, Pierre. Laisse. Ça t'en dit pas que je reste. Que tu restes? Chez vous. Je n'ai pas la force de retourner au Mas d'Isor. Je te demanderai de le faire fermer. Tu pourras. Merci. Quant à Azirak, il est beaucoup trop tôt pour y revenir. Tu es chez toi, à la maison. Tu sais, ta mère, pour moi, c'est comme... c'est comme si maman... pardonner. Comprendre. Je ne pourrais plus vivre sans toi. On mange quand? Quand ils seront là. Les voilà. Alors, les garçons, vous avez pas faim? Roland, si ça t'ennuie pas, je te demanderai de passer aux arènes de Sainte cet après-midi pour voir Lucien. J'ai quelque chose à faire de pressé. Avec monsieur d'Azerac? Roland, tu vas pas me dire monsieur comme si on se connaissait pas. Tu me dis Arnaud et tu me tutoies, sinon je t'appelle monsieur Karl. Écoute, je vis avec vous. Pour longtemps? Roland. Bon. J'ai affaire. Laisse, laisse. Pas facile pour lui non plus. Je suis désolée. Il vaudrait peut-être mieux que je m'en aille. Non, si tu partais, Isor mourrait une fois de plus. Maman, ça va? Oui. Tu ne me sers pas? Jeune fille. Jeune fille. Jeune fille. J'ai toujours su que je vous retrouverais. Je prendrai du sirop d'orgeat, jeune fille.
Les fées en boivent au clair de lune quand elles se reçoivent. Il y a du vin pour les messieurs. J'en suis. Et la blessure. Je boite un peu quand le temps change. À vous deux. En vous remerciant, non pas d'avoir fait la guerre, mais d'en être revenu. Et entier. Oh, on dirait que tu parles d'un bœuf. Et à la santé de notre japonaise. Que Dieu la garde. Et qu'elle te fasse vite arrière-grand-mère. Alors, mamé, ça va bien? Oh, dis, Frédéric. Ne crie pas comme ça. Je ne suis pas sourde. Je reprendrai bien un peu de ta tarte aux figues. Elle est fine. Des fois, le bon Dieu, j'ai du mal à le suivre. T'es pas la seule. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais le travail nous attend. Allez, Beethoven. On pose son verre, on salue les dames, on dit merci. Et dao dao. Bon, allez, on y va. Oh. Arnaud est retourné à la bouvine comme le souhaitait son père. Tu as raison, Annette, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il a l'air heureux, enfin autant qu'il peut l'être maintenant. C'est grâce à vous, Isabelle. Je me demande si un jour il retournera à Azerac. Au Mas d'Isor. Au Mas, non. Il y a de trop mauvais souvenirs, non? Azerac, je ne sais pas. C'est encore trop tôt. 7 mois déjà? Déjà ou seulement? Et qu'a-t-on fait de Mélusine? Elle est ici, mais il ne veut pas la monter. Pierre s'occupe d'elle. Mais ce n'est pas simple, car en même temps, Arnaud ne veut pas s'en séparer. Et les affaires? Céline va venir. Quand il le pourra, parce que ça bouge dans les miras. Hein. Il y a des incidents sérieux. Il a déjà remis 2 fois son voyage. Non, c'est pas simple. Ce qui nous manque, c'est un enfant. Pour la bûche de Noël, la fève de l'épiphanie, les sabots dans la cheminée, les bons points, la dictée. Moi, je voudrais avoir une fille. Bon, pas personnellement, mais une fille. Et elle viendra. J'aurais voulu être plus vite auprès de toi. Je sais, je sais. Ça porterait toujours Isor dans mon cœur. Depuis qu'on a eu des émeutes à Dalmorath, Aladdin se surpasse. Il est nerveux. Pourtant, je peux pas lui en vouloir. C'est ce qu'il m'a dit quand on a reçu la triste nouvelle. Il m'a dit la dame est morte en ton ramadan, lorsque les portes du ciel étaient ouvertes. Elle est montée au paradis tout droit où l'attendaient les chevaux. Deux faveurs à te demander, Céline. La première, c'est de te charger des affaires. Tu n'as plus besoin de moi. Les brevets sont déposés, ça roule. Moi, j'ai retrouvé la Camargue. L'argent, Dieu sait qu'on en a, tu le gardes là-bas. La banque me servira mes royalties comme par le passé. Si j'ai besoin d'en avoir davantage, on verra. L'autre faveur? Emmène Mélusine. Tu veux pas la garder? Non. Non, ça me fait trop mal quand je la vois. Puis ce cheval t'a aimé au premier instant. Ce n'est pas moi qui te la donne, c'est Isor. Tiens, mon frère. Pense que tu m'as jamais dit que tu avais un frère. Non, l'idée que mon père avait pu faire un autre enfant à une autre femme que ma mère me serrait la gorge. J'ai 16 frères de 9 mères différentes. Mais aucun ne me ressemble comme Pierre Torsal. Salut Pierre. Céline va emmener Mélusine. Merci Céline. Une dame? Oh, je vais voir. Excusez-moi. Madame? Monsieur, je vous demande pardon, je cherche Madame Élodie Bourquin. Elle m'a dit qu'elle serait là. J'ai une livraison pour elle, urgente. Oui, je sais, elle devait être là, mais elle a dû terminer les croquis. Elle verra Selim que ce soir. Selim? Le prince Selim? Ah mais oui, je me souviens maintenant. Elle m'a dit qu'on lui livrerait quelque chose et m'a même demandé de le prendre. Oui, c'est un petit pantalon. Un petit pantalon? Oui, c'est un vrai bijou, fait main. Ah, je m'appelle Cosette. Je suis lingère à Marseille, 36 rue de Paraty.
Vous êtes venu de Marseille en taxi? Non, non, seulement d'Arles. J'ai un train à 18h25. Ça vous dérangerait de monter dans le camion? Non. Bon, alors, vous allez renvoyer votre taxi. Pendant ce temps-là, je dis au revoir au prince et je vous embarque pour Arles, avec mes biaos. Le char, c'est la hauteur idéale pour voir le paysage. Hauteur de cheval. Ça va? Ça va. Je dépose au train comme une fleur et je garde le petit pantalon. Merci, vous êtes bien aimé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est beau! Je me souviens! Oui? Le jour des 100 ans de la vieille dame! Vous étiez invité? Oh, non, mais Madame Dazerac m'avait dit de rester. Je lui avais livré un jupon le matin. Baptiste et Maline, une splendeur! Alors j'étais là. C'est la plus belle fête que j'ai vue de mes yeux. Tous ces gens connus, riches, bien habillés. Cette piscine, ces fleurs, les domestiques, ça m'a tellement marquée que j'ai gardé une photo que j'ai trouvée dans un magazine. C'était dans l'Europe des princesses, parce que j'y suis. Là, derrière le tamari, on me voit pas, mais j'y suis. Pour moi, le Mas d'Isor, c'est le paradis. Ah, que j'oublie pas de vous donner la carte. C'est pas la peine. Cosette, Lingère, 36 rue Paradis, Marseille. C'est noté. Carnot n'est pas voulu la voir partir. Veillez sur lui, Pierre. Il est courageux, mais... Encore bien fragile, je sais. Encore merci à votre mère pour son hospitalité. Modeste? Non, béni. N'oubliez pas de m'envoyer vos poèmes, j'ai traduit en arabe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soir, je sors. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire amuse-toi bien. Et alors? J'ai pas le droit? Mal à me supporter. Fais pas attention. C'est vrai. Il a toujours été comme ça. Même avec vous. Vous êtes formidables tous les deux. Où tu vas? Coucher. Je suis fatigué. Le pauvre. Depuis que Mélusine est partie, il est retombé dans sa tristesse. Je ne sais pas si on a bien fait. Mais si, il fallait le faire. C'est dur, mais il fallait le faire. Je peux te parler, maman? Voilà, c'est simple, j'ai rencontré une jeune femme. Juste rencontré, hein. On n'a pas encore parlé. Enfin, quand même, j'aimerais que tu la connaisses. Elle est lingère. Elle a eu une petite fille qui n'a jamais eu de papa. Et... Tu dis rien, hein? Ni à Roland, ni à Arnaud, et surtout pas à Arnaud. Il est encore trop fragile, il faudrait pas qu'il ait peur de me perdre. Ce serait terrible. D'ailleurs, il ne perdra pas. Jamais. Ta jeune femme, tu l'amènes quand tu veux. Elle vient déjeuner dimanche. Ce n'est pas le char, mais c'est joli quand même. J'ai des calissons pour votre maman. J'espère que je vais lui plaire. Généralement, ce qui me plaît, lui plaît aussi. J'ai fini hier le trousseau de la fille des Simon Magloire, qui part se marier en Amérique, à Chicago, avec un Américain. J'ai cru que je serais jamais prête à temps. C'est le Vacarès. On dirait une petite mère. Oui. Dites donc, il fait un temps aujourd'hui, vous l'auriez commandé pour moi, il ferait pas plus beau. Mais je l'ai commandé. Mais où est-ce que vous m'emmenez? On dirait, mon Dieu, mais c'est le mât de la pauvre dame. Oui, il y a une forte bourrasque la nuit dernière. Je veux juste te jeter un coup d'œil. Tout est fermé depuis 5 mois. J'en ai pour une minute.
Ça va, il y avait juste un volet qui battait, je l'ai raccroché. Elle était si belle. Oh oui. C'était si gai ici. Mourir si jeune, c'est... Ne parlez pas de cette visite devant son mari tout à l'heure. Tout à l'heure, Monsieur Dazérac est chez vous? Oui. C'est vrai que vous vous occupiez de la manade? Monsieur Dazérac est mon frère. Tu te souviens de Cosette? Ah, bien sûr, bien sûr. Qui beau! Ah, ça, c'était Sevenol. Un cimbéou tellement brave qu'on lui a conservé sa sonaille, sans le bâton, c'est la coutume. Ouais, il savait compter. Quoi, le taureau? Jusqu'à 6. Il faut 6 taureaux pour faire une course. Et quand le dernier était monté dans le char, c'est venu de s'en aller, mission accomplie. Bah dites donc. Excusez-moi, madame. Il faudra jeter un coup d'œil au mas, la tempête de la nuit a peut-être... Non, tout va bien, t'inquiète pas, j'en viens. C'est triste de voir cette maison fermée quand on l'a connue pleine de monde et de vie. J'étais la lingère de madame Dazérac, monsieur. Cosette, 36 rue Paradis, à Marseille. Madame Dazérac m'avait permis de rester le jour de la fête de votre grand-mère. De votre arrière-grand-mère. Ça m'a retourné cette visite tout à l'heure parce que madame Dazérac, c'était ma cliente préférée. Oh, j'en ai eu des dames, de Marseille et d'ailleurs, des dames très bien, comme mademoiselle Bourriache ou sa cousine. Mais madame Dazérac, c'était... C'était sa peau. Sa peau, c'était du satin. Et je m'y connais en satin. Vraiment, du satin. Je vous demande pardon. Pardon? Je vous remercie. Cosette? Cosette, monsieur. Arnaud. Arnaud. Et si nous passions à table? Je vous débarrasse. Oui, merci. Je vous ai fait un menu gardien. Alors, vous avez une marguerite d'anchois, une daube de taureau avec du riz camargué, et vous aimez la daube? J'adore, j'aime tout. Vous allez voir, elle est excellente. Vous allez vous régaler. Merci. J'ai toujours admiré la Camargue, mais ça m'effraie. Ces bêtes sauvages, ces chevaux blancs, c'est beau, mais il faudrait payer cher pour avoir dessus. Une fois j'avais une chute. Bravo. Tiens, regarde, il y a Cosette qui vient d'arriver. Ah oui. Ciao! Ben vas-y. Mais et toi? Ben quoi, moi? Ah, tu ne voudrais pas être un peu seul avec elle? Enfin, tu plaisantes. Cosette, c'est juste une amie, c'est tout. Ah bon, je croyais... Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Bon, allez, Jésus, plus souple, là, plus coulé. Voilà, ça y est, tu le tiens. T'as vu? Quoi? Monsieur Dazérac est un Marseillaise. Occupe-toi de tes affaires. Et toi, d'Étienne, frère, et toi, d'Étienne. Bon, Roland, tu arrêtes ou ça finira mal. Ouais. T'as raison, ça finira mal. Mmh.
bonjour. Ah, Cosette, quelle surprise. Vous êtes seule aujourd'hui? Oui, vous allez être déçue. Pierre est absent pour la journée. Oh non, mais vous savez, ce n'est pas lui que je suis venue voir en particulier. C'est juste un ami pour moi. Il m'a dit la même chose. Bah, vous voyez, qu'est-ce que vous faites? Je selle mon cheval pour faire une tournée. On a perdu une vache qui a dû mettre bas dans des fourrés. Je vous emmène? Je sais pas monter à cheval. Aucune importance, puisqu'il vous faut. C'est pas plus difficile que ça. N'ayez pas peur. Sir Paulet est doux comme un agneau. Ça va? Ça va. Bien. Tenez, laissez-vous aller dans mes bras. Là. Vous voyez? Pourquoi les Azeraths nous font-ils toujours du mal? Je les ai vus partir ensemble au bois d'Ariège. Pensant, ils volent à Pierre la femme qu'il aime et tu le reçois comme si c'était ton fils. De toute façon, t'es toujours resté leur esclave. Tu parles pas comme ça à ta mère. Jamais. Elle est l'esclave de personne. Mais quand d'abord, pour qu'ils me volent Cosette, comme tu dis, il faudrait qu'elle soit à moi. Mais quand tu l'as fait venir ici, c'est bien parce qu'elle te plaisait, non? Et elle n'a regardé que lui. Justement, si elle m'avait aimé, elle l'aurait pas vu. Allez, embrasse maman. Tout va bien, maman, je te jure. Tu es sûr? Sûr. Je vais être absent 2 jours. Merci. Tu vas à Marseille? À Marseille, pour quoi faire? Je vais à Zirac. 2 jours? Non, mettons 3. J'ai écrit à Clémence, ma belle-sœur. Je lui ai demandé de venir parce que j'ai besoin de lui parler. Je partirai demain matin. Demain matin? On ne devait pas changer l'eau de la Boradou demain matin? Ce sera fait, je pars. À cheval. Pardonnez le côté un peu théâtral de cette invitation. Et surtout cette phrase ridicule, tenue de soirée, la rencontre sera solennelle. La phrase n'était pas ridicule. Mais la rencontre est solennelle. Vous avez la même façon de tenir votre tête, Kizor. Cet air. En avant, calme et droit. Clémence, j'aimerais vous donner. Ouvrez ce coffret. Bijoux d'Isor. Maintenant, ils sont à vous, Clémence. C'est tout Azeraque qui repose là. Il y a même la cigogne de votre grand-mère. Et la broche d'amour. Non, Arnaud. Je ne peux pas. Comment vivez-vous, Arnaud? Comme un gardien. Comme mon père aurait voulu que je vive. Et si je n'ai pas sombré, c'est grâce à Pierre et à sa mère. Ils ont voulu que je fasse la paix avec mon frère, que je l'accepte,
pardonne à mon père. Il a fallu qu'elle meure pour que je comprenne. Mais je ne retournerai jamais. Je ne retournerai jamais au masque que j'ai bâti pour elle. Pour moi, c'est un tombeau fermé, fini. J'étais de ces gens qui jugent les autres sans savoir ce que la douleur peut nous pousser à faire. Maintenant, je sais. Et puis, il y a les bêtes. Les bêtes peuvent nous sauver du désespoir parce qu'elles ont besoin de nous. Et ça aussi, Isor le savait. Arnaud, il faut vous remarier. C'est aussi pour cela que je vous ai demandé de venir. Ah, bien sûr. Oui, il faut continuer à vivre et donner à celle qui deviendra votre femme ses bijoux. Non, elle est très différente. Les imbéciles diront qu'elle n'est pas de notre monde. Je m'en fous. Parce qu'elle aussi m'a empêché de sombrer. Je ne lui donnerai pas les bijoux qu'a porté Isor. Vous savez, elle est honnête, travailleuse, bonne mère. Elle a une petite fille. Et surtout, c'est l'être le plus vivant que j'ai jamais rencontré. Vous avez dit travailleuse? Elle a un métier? Oui, elle a une petite boutique de lingerie à Marseille. Cosette? Vous la connaissez? Bien sûr, oui. Isor l'aimait beaucoup. Ah, je peux vous dire que c'était réciproque. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est délicat, mais mes sous-vêtements viennent de chez elle. Arnaud, je bois à vous. Je bois à vous et à Cosette. Cosette? Tu vas épouser Cosette? Oui. Vous la connaissez? Un peu, oui. Je l'ai croisée deux ou trois fois. Ben, la dernière fois, c'était chez vous, à la Ferrade. Elle est quoi? Oh, tu peux me le refaire. Oh oui, parce que j'ai cru voir ton père. Elle est quoi? Non, honnêtement, c'est vrai, je comprends qu'on puisse craquer pour elle, mais... tu comprends, la chose, c'est qu'elle... je te demande pardon. Arnaud, je me fais rire. Bah, tu sais, Pierre et toi, vous êtes comme mes enfants, alors... alors j'ai tendance à me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais non, Fernand, croyez pas ça. Oh, ça, c'est ta maman. Ah, tu viens d'avoir une intonation de ta maman, là. Elle était adorable, Amélie. Bon, Cosette. Bah, je suppose que tu as bien réfléchi. Oui. Alors, tout ce que je pourrais dire ou rien... J'ai besoin d'elle, Fernand. Je comprends. J'espère que tu vas être heureux, fils. Ils vont pas vivre ici, quand même. Oh non. Non, ils vont pas vivre ici, si ça peut te rassurer. Ou alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as fait de la peine à ton frère. Moi? C'est moi qui ai fait de la peine à mon frère? Oh, ça, c'est la meilleure. Enfin, tout de même, il y a une bonne nouvelle, le baron va débarrasser le plancher. Tu sais, maman, tout ça, ça m'est égal. C'est à Pierre que je pense, et tu penses comme moi. Oui, je prends. Mais en bleu. Je l'aurai quand? Je vous livrerai le 27, mais après, ça sera fini. Fini? Oui, je me marie. Oh, félicitations. Merci. Et avec qui, Cosette? Avec Monsieur Dazérac. Lequel? Ben, il n'y en a qu'un. Arnaud? Oui, Arnaud. Excusez-moi, je viens juste de me piquer, je suis désolée, il y avait une petite épingle dans le dos. Je suis désolée, mais je saigne un peu. Bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Reprends-toi. Non, mais tu te rends compte? Oui, je me rends compte, mais calme-toi, je t'en prie. Merci, Cosette, ça va. C'est plus de peur que de mal, mais ça va très bien. Et encore bravo. Oui, j'arrive pas à croire à mon bonheur, que ça m'arrive à moi. Mais pourquoi pas vous? Hein, Zanny? Oui. Pourquoi pas? Je suis sûre que l'avenir vous réserve encore plein de belles surprises. Et sa gamine, hein? Tu te souviens du chien savant? Et qui c'est cette Cosette d'abord? Une traînée? Écoute, tu dois pas dire ça. On sait même pas qui est le père de sa fille.
Je me demande si elle-même le sait. Les Azeraks doivent se retourner dans leur tombe. Arnaud épouse une marchande de culottes! Et son magasin, tiens. Avec quel argent elle l'a eu, son magasin? Hein? Avec son cul, oui? Mais on n'en sait rien. Je vais aller dire à Arnaud qui il épouse. Oui, et ben t'en feras rien, tes années bourriages, ça tu l'oublies pas. Tu as raison. Tu te verras débarquer la gamine, avec ses rubans et ses fanfreluches. Il comprendra tout seul. Pff, c'est affreux. Quoi? L'amour, ça te rend méchante, mais tu l'aimes autant que ça, vraiment? Plus encore. Plus encore que tu ne peux l'imaginer. Je voudrais te parler de ma fille. Je l'aime, tu sais. J'espère bien. Je n'aimerais plus que tu sois une mère dénaturée. Tu veux voir son portrait? Bien sûr. Elle est toute petite. Non, mais là, elle a 5 ans. Ma petite Marilyn, mon bout de chou. C'est une grande fille maintenant, elle fait sa philosophie. Je l'ai envoyée en Angleterre pour qu'elle sache tout ce que moi je sais pas. Je l'ai eue très jeune, tu sais. Puis pas de papa et... Je voulais te dire... Bon, je te demande pas une confession. Marie-Hélène, c'est ça, oui? Eh bien, elle viendra vivre avec nous à la maison quand tu voudras. Et quand elle le voudra. Et le jour de notre mariage, si tu veux, on peut... Non, non, non. C'est juste avant ses examens et je suis très stricte avec ça. Oui. Quand on sera mariés, on n'habitera plus chez les Carl. Devine où on habitera. Tu veux me faire la surprise? Oui. Pour le mariage, je voudrais qu'on soit juste tous les deux. Rien que toi et moi. Rien que toi et moi. On se mariera à Marseille, loin des gens. Ouais. Et on partira. On dirait que t'as pas fait l'amour depuis 100 ans. C'est à peu près ça, oui. On rattrape le temps perdu. Non, on reste. Et on avait dit qu'on irait voir les Garland, d'ailleurs. Après. Après quoi? Hein? Après, non. On ira les voir plus tard, des Garland. Bois notre dernier soir. Je serais bien restée. Mmh. Tu me tuerais si je te laissais faire. Oui. Arnaud. Je voulais te demander. Pourquoi tu m'as épousée? Parce que tu me fais rire. Tu vois? Oui, mais... Tu m'aimes. Et toi? Follement. Follement. J'ai hâte de te ramener à la maison. Tu vas fermer les yeux et tu ne les ouvriras qu'à mon commandement. Promis? Promis. C'est Azeraq, notre maison. C'était ça la surprise. C'est là que nous allons vivre? Oui. Nous n'allons pas vivre au Mazdisor. Mazdisor, tu plaisantes? Non, moi je pensais qu'on habiterait au Mazdisor. Non. Et moi j'aurais ne bien parle plus jamais du Mazdisor, compris? Jamais. Annette. Madame d'Azeraq. Annette va s'occuper de toi. Elle connaît le château comme si elle l'avait fait. Et nous, nous avons à travailler. Tout va bien? Tout va bien. Pierre vous attend demain matin aux arènes pour vous présenter de nouvelles bêtes. Ce soir, il est à Nîmes. On lit un poème de lui à l'Académie. Bien. Tu vas me raconter tout ça, François. Hein? J'ai hâte de m'y remettre.
Le temps m'a paru long sans les chevaux. Madame me suit. Madame. Voilà. C'est joli. C'est la chambre du maître. Beaucoup de nos dames sont mortes dans ce lit. Il n'y a pas de piscine ici? De quoi, madame? De piscine. Mais nous sommes dans un château, madame. Ah oui. Madame a encore besoin de moi ou de Florette? Non, non, merci, ça ira. Madame veut le clavier? Le clavier? Les clés de la maison. Ah non, vous pouvez les garder pour le moment. Merci. Te voilà. Pierre. Alors, Venise. Oh, elle s'enfonce doucement dans la vase. Oh, dis donc. C'est pas mal, hein. Tu la reconnais? Attends, ne me dis pas. C'est pas la fille de Balthazar? Gagné. Non. Balthazar. Ah, le pauvre Balthazar. Tu te souviens qu'Oran lui a crevé l'œil? Ouf. Désespoir. Balthazar, le préféré de papa. Elle s'appelle comment? L'infante. Oh. Ton père l'aurait aimé. Oui, il le tient aussi. Oui. Content de te voir. Content d'être là. Comment ça s'est passé hier à l'académie? Oh, bien. Rache a fait un très beau discours sur le jeu d'amour des troubadours, très applaudi. Et ton poème? Applaudi aussi. Je t'ai même pas demandé les nouvelles de Cosette. Oh, elle va bien, elle est heureuse. Elle découvre Azerac, ça l'occupe. Tu veux que ta fille vienne? Aux vacances, oui. Mais je veux pas troubler ses études. Alors il faut t'installer, prendre la maison en main. Annette est vieille, ça la soulagera. Tu veux que je t'achète une voiture? Puis tiens, dès demain, Frédéric te donnera des leçons d'équitation. Ah non, j'ai peur des chevaux. Bah, tu montais bien sur Paulet quand on allait se rouler dans l'herbe tous les deux. Hein? Oui, mais c'est parce que c'était le seul moyen. Le seul moyen de quoi? De faire l'amour avec toi. Ah. Je voudrais que ce soit toujours la nuit. La nuit, je t'aime. Et le jour, tu t'en vas. Est-ce que tu sais que je travaille? Est-ce que tu as une idée du nombre de bêtes qu'on a, Pierre et moi, avec les trois manades réunies? 412 taureaux, 108 chevaux. Ça te dit quelque chose? Embrasse-moi. Tu es à la bibliothèque? Demande à Virgile. Oh non. Il est bizarre, Virgile. Il est gentil. Et puis tu es riche. C'est vrai? Mais puisque je te le dis, c'est toi la cliente maintenant. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. C'est toi que je veux. Tu m'as. La nuit seulement. Moi, je te veux tout le temps. Ah. Le dîner. Non. Non. Allez, viens. Viens.
Encore. Encore. Allez, Mistral, oh! 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 Allez! Oh! Yay! Oh! Mademoiselle. Bonjour. Nous nous connaissons? Non, mais vous avez épousé ma mère le mois dernier. Ah, vous êtes... Marie. Marie... Marie-Hélène? Je préfère Marie. Moi aussi. Et vous êtes là, toute seule? Non, non, j'ai été reçue par une dame très gentille qui m'a installée dans une chambre en haut. Madame Annette, je crois, m'a dit que maman était partie faire des courses à Arles et qu'elle ne rentrerait que ce soir. Alors j'ai un peu navigué dans le château. C'est magique. J'avais l'impression d'avancer dans un roman de chevalerie. Marie, quelle surprise. Oh oui, pardon. C'est notre professeur principal qui a avancé mon voyage de 2 jours. J'aurais dû vous prévenir, mais j'avais envie de faire une surprise à maman. Elle sera folle de joie. Et moi donc? Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Maman, je ne l'ai pas vue depuis la rentrée. C'était un peu long. Pour elle aussi, elle s'ennuyait sans vous. Et vous avez fait la connaissance de mon oncle Virgile? Oui, il m'a donné rendez-vous dans la tour des grands orages demain après-midi à 18h30 précise. Pour me découvrir les mystères, m'a-t-il dit. Il est poète, je crois. Savant, plutôt. Le poète, c'est mon frère, Pierre. L'inconnu. Comment le savez-vous? Votre oncle m'a donné 57 numéros de la branche des oiseaux. J'ai déjà lu quelques poèmes. Parce que la poésie, pour moi, c'est comme du miel. Bienvenue à Azerac, Marie. Maman! Oh, Marie-Hélène, ma chérie! Oh, qu'est-ce que tu fais là? On ne t'attendait pas avant jeudi. Oh, t'as maigri. Oh, ma petite puce, tu m'as fait une émotion, ma Marie-Hélène. Marie. Quoi, Marie? Oui, nous préférons, elle et moi, qu'elle s'appelle Marie. S'il te plaît, maman. Ah, si vous y tenez. Mais tu es vraiment maigre, qu'est-ce qu'ils t'ont donné à manger en Angleterre? Ah, moi, je la trouve très bien comme ça. Moi aussi, un gramme près. Are you honest? Are you fair? What means your lordship? Hamlet, acte 3. Scène 2. Les rires et les jeux sont enfin de retour. Oh, vite, trouvons les pieds rimant avec amour. Bon, ben, moi, je vais me changer pour le dîner. Oh, attends, maman. Tous mes vœux de bonheur à tous les deux. Merci, chérie. Léo? Il serait temps de revenir à Azerac. Tu es si loin de tout ici. Je ne quitterai jamais ma cabane. L'heure approche. Mais je n'ai pas peur. Je suis prête. Je sais, mais je n'aime pas te sentir seule. Tu ne vas pas me demander en mariage? Non. Rassure-toi, si je me décidais à sauter le pas à mon âge, ce serait avec une plus jeune. Merci. Gracieux. On ne sait rien de toi, Léo. On ne sait qu'une chose, tu as eu un chagrin d'amour. Secret de famille. Ça peut être beaucoup de choses, un chagrin d'amour. Hum? Comment était-il? Elle était noire et elle s'appelait Pénélope. J'ai aimé une femme, Fernand. Ça te choque? Non, j'en ai aimé plusieurs. Tu plaisantes. Pardonne-moi. Personne ne l'a jamais su. On m'aurait vite classée lesbienne, foutue dans un tiroir, exclue. Non. Si j'ai aimé Pénélope, ce n'est pas parce que c'était une femme. C'est parce que c'était elle. Unique, inoubliable. Elle était critique d'art à New York.
À ma première exposition, elle m'a descendue en flammes. Alors je l'ai vue, je l'ai insultée. Et on ne s'est plus jamais quitté. Jusqu'au jour où elle est morte. Une piqûre de rosier, c'est... C'est poétique, n'est-ce pas? C'était... Il y a longtemps. Je voulais le dire à Isor. J'ai pas eu le temps. Comment va Arnaud? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Non, c'est très complexe. Cosette l'a ranimé, rendu à la vie et... Ressuscité? Oui, mais qu'est-ce que ça doit être emmerdant de vivre avec elle? Elle a une fille. Je l'ai pas encore vue. Elle est arrivée hier soir. Mais si elle ressemble à sa mère, pauvre Arnaud. Quelle exactitude. À rendre jaloux le comte de Monte Cristo. J'étais derrière la porte depuis 5 minutes. C'est magnifique. Comme elle est belle. Elle vous ressemble. J'aimerais bien. Cette vitre brisée, on dirait une blessure dans sa chair. Je vous raconterai son histoire. Mais d'abord, je cherche pour vous qui arrivez d'Angleterre le poème d'un troubadour peu ordinaire, le roi Richard Cœur de Lion. Le registre des grands orages depuis François Ier. L'œuvre de ma vie. Mais plus tard, d'abord le roi Richard. C'est exprès que cette lettre n'est pas ouverte? 1921. C'est vrai, j'avais décidé de l'ouvrir, mais ça m'est sorti de l'esprit. Il s'est passé tant de choses. Un coup de papier. Non, pas celui-là, celui-ci. Mon cher Antonin, c'était mon papa. Pardonne-moi de venir t'appeler à mon secours. Si je le fais, frère bien-aimé, c'est que je suis dans la plus profonde détresse. José Luis est mort d'une affreuse blessure dans les arènes de Mexico. Nous n'étions pas mariés. Insouciance, désordre, légèreté de la jeunesse. Je n'ose implorer le pardon de maman. Prie-la pour moi et dis-lui que je l'aime. Cher Antonin, j'ai besoin de toi. J'ai vendu tous les bijoux que m'avait donné José Luis. Il me reste un peu d'argent. Et si le pardon d'Azerac et des miens ne vient pas vite, ce sera la misère. Ta sœur qui t'aime. C'est elle. Oui. Mon Dieu, que faire? Vous êtes là. Tout va s'arranger. Pauvre Virgile. Avec sa manie de ne pas ouvrir les lettres. Je crois qu'il n'a pas ouvert celle-ci parce qu'elle était adressée à son père. Oui, tu as sans doute raison. Tu permets que je te tutoie? C'est une bien triste histoire de famille qui t'accueille à Azerac, Marie. Il y a des choses tristes dans toutes les familles. C'est déjà beaucoup d'en avoir une. Je voudrais... Oui? Je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Elle est si jolie sur son portrait. Je vais charger Crèveloup de faire des recherches. Crèveloup? Le notaire des Azerac depuis 5 générations. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie, Marie. Faustine était une Azerac. Oh, 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 oh
qu'elle m'a soufflé, c'est un cheval, dis donc, quelle assiette. Vous n'avez pas dit qu'elle prenait des leçons d'équitation. Parce que Belvezet, à part Pierre, j'en connais peu qui savent le monter. Et toi, tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu nous as acheté? Pour toi. C'est affreux. Ah, c'est... C'est un taureau? Oui, mais moi, j'ai pas envie de dormir avec celui-là. Non, non, ramène-le au marchand, on devrait le fusiller. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton taureau, puisque t'en veux pas. Ah, mais attends, ce qui te prend, tu es malade? Ce qui me prend? Je me déteste ici. Je fais jamais rien de bien. Tu me méprises. Tu crois que je me rends pas compte? Tu me méprises. Je voulais pas vivre ici. Je déteste ici, je voulais pas vivre à Azerac, je déteste ton Azerac. Je voulais vivre en Matissard, moi. Oui. Je t'ai dit que je ne voulais pas qu'on en parle. Mars, pour moi, c'est une partie de ma vie qui appartient à Isor, c'est sacré. Alors tu l'oublies une fois pour toutes. Demain, tu viendras à Arles avec Pierre et moi, tu verras ta fille monter Belvezet, la fête des gardiens. Tu seras fier d'elle. Je ne voudrais pas. Comme tu voudras. Cette jolie chatoune qui se tient si bien à cheval. C'est ma nièce. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que... Voilà, est-ce que tu accepterais de devenir ma fille? Marie Cabrerol d'Azerac. Enfin, si je t'adoptais, est-ce que tu voudrais bien? Je n'ai pas voulu en parler à ta maman avant que... Enfin, avant de savoir si tu étais d'accord. Vous vous moquez pas de moi? Marie. J'ai jamais dit père à personne. Je pourrais vous appeler père? Alors c'est oui, père! Marie! Marie! Attention, tu vas trop vite! C'est de ta faute. Tu me l'as massacrée. Je les déteste, vos bêtes sauvages. Ma petite Marie-Lé, qui était si jolie. Chut! Vous allez la réveiller. Elle souffre. Elle est défigurée, surtout. Mais non. Quand la pleure est cicatrisée, on fera le nécessaire. Jamais. Jamais on ne touchera ma blessure. Je ne suis pas de votre sang. Maintenant que je porte la marque de la manade, je peux vraiment vous dire papa. Papa, elle a de la fièvre. Ma poupée. Non, j'ai décidé de l'adopter. Sans rien me dire? Mais je suis sa mère, quand même. T'aurais au moins pu la moindre des corrections. Tout doux, tout doux. Nous sommes dans la chambre d'une malade. Chut. C'est comme la marque sur la main d'oncle Virgile. Je la garderai toujours. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Papa. Des figures? Il me l'adopte sans rien me demander? Je compte pas pour lui. En plus, il me fait vivre dans un tombeau. Et je peux même pas parler du Mazidor.
Boulangerie Cosette, 36 rue Paradis à Marseille. C'était joli ce que je faisais. Tu vois ça? C'était superbe. Tiens. Marie d'Azérac. C'est la fille de Cosette? Oui. Je croyais qu'elle était défigurée, celle-là. Non, attends, une petite cicatrice, mais on est que plus belle. Et pourquoi Marie d'Azérac? Parce qu'Arnaud a décidé de l'adopter. L'adopter? Oui. Et comment tu sais ça, toi? Je le sais, par Fernand qui l'a soignée. Il en est complètement gâteux, comme les frères, d'ailleurs. Les frères? Oui, Arnaud et Pierre. Ah oui, bien sûr, les frères. Oui, les frères. Je crois que je vais retourner quelque temps en Camargue. Mais oui, ça te fera beaucoup de bien de revoir les roseaux. Oui. Et de revoir Cosette. Château, des chevaux, tout! Je viens de Camargue. Et d'où en Camargue? Des jours et des jours que je t'attends. J'appartiens à la manade d'Azérac. Je souhaite beaucoup de bonheur dans cette maison qui n'a jamais voulu être la mienne.